Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Inutrophe, donc 1600 chances les amis. Donc voilà, avec le même stuff que Lini, hein, donc coiffe d'Anator 100 chances, anneau glacial PA, etc. Tranchée sous-bois, sandale circulaire, voilà, tout des jets parfaits en chance, ou presque. Voilà, avec ces trucs-là. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc je vais vous mettre le lien normalement, voilà, sur l'écran maintenant. Donc voilà, si vous avez envie de l'avoir, Eni 1600 chances, franchement, j'ai bien eu du plaisir avec cette Eni. J'ai défoncé pas mal de gens, donc voilà. Maintenant c'est au tour de l'Enu, donc voilà, même stuff. Sauf que cette fois-ci, je lui ai mis une petite alliance Glourson, écoutez, PM. Et cette fois-ci, il y a bel et bien, voilà, des dommages, des bons dommages. Oh, et il y a plus de chances, voilà. Voilà. Donc sinon, à part de ça, le stuff est le même. Donc je vous remonte les stats pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo NI. Donc 1557 chances, 19 dommages, 86 dommages hauts et 130 de puissance. Donc ça fait plaisir, ça fait zizir. Donc voilà, un petit Inutrophe assez sympathique, vous allez le voir. Donc on va commencer tout de suite sans boost avec une pelle massacrante. Voilà qui peut monter directement. Bim, à plus de 1000. Voilà, là j'ai pas fait un coup critique, ce serait bien un petit coup critique. Bim, voilà, moins 1141, 100, 100 boost quoi. Maintenant on va faire juste avec cupidité. On va voir jusqu'à combien ça peut monter. À moins 1228 en coup critique. Donc il faut savoir que je suis plus qu'une chance sur deux. Je suis une chance. Non, en fait. Oui, pardon. Je suis 56% de chance de coup critique. Voilà, là avec la chance, regardez-moi ça. Moins 1402 si je suis un coup critique! Wouh! Bon, c'est dommage, j'ai pas eu un beau jet. Mais bon, vous voyez que ça fait vraiment mal. Donc là, je vais vous montrer des pelles du jugement. On voit qu'il peut monter jusqu'à moins 690, 680 et quelques. J'ai pas eu le temps de tout voir. On voit juste pour vous montrer l'abusé, quoi. Comment c'est abusé? Oh là là. Donc voilà, je suis seulement en 10 PA par contre. Mais bon, voilà, c'est toujours viable, hein. 10 PA ça reste viable, même si pour Enu je préfère largement 12 ou 11 PA. Mais bon, ça reste quand même viable hein, pour le PVM, bien sûr, pas pour le PVP. Donc maintenant je vais vous montrer peut-être un petit lancer de pièces, tiens, oh, qui va jusqu'à moins 377 pour 2 PA. Voilà, moins 419 là, avec chance. Ah, oh, dommage, pas de coup critique. Voilà, on va essayer le coup de cac, les amis. Allez, c'est parti. Jusqu'à moins 1712 et bim! Ah, oh, pas de coup critique. Non, dommage. Dommage, dommage. Franchement, tout fait mal avec ce mode. C'est abusé. Voilà, maintenant on a plus de boost et ça tape quand même plus de 1000. Voilà. C'est abusé quoi. C'est complètement abusé. Donc, je pense que je vous ai tout montré. Donc, cette vidéo non plus hein, sera pas bien longue. C'est juste un peu la suite. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, bim, un FK, 1600 chances aussi. Donc vous allez voir un peu le Rox, qui devrait être assez épique, j'ai pas encore testé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour la fin? Touk, peut-être une petite... Non, il n'y a pas assez de PDV pour faire ça. On va faire deux lancers de pièces. Voilà, dommage pas de coup critique, mais quand même 400. Donc, on est à 36% seulement, bon. C'est déjà bien, hein. Et voilà, je mets fin au petit putsch. Donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace! Et bye!